C'était la deuxième série de tests dans toute la ville de Zhengzhou. Il n'a fallu que 6 heures pour que plus de 12 millions de personnes soient testées. Cela représente 583 personnes par seconde ou 35 000 par minute. Il s'agit d'une réponse beaucoup plus rapide que les précédentes épidémies enregistrées dans la ville avec quelque 33 000 travailleurs médicaux et volontaires rapidement dépêchés sur des milliers de sites de tests. Il y a beaucoup de bénévoles comme moi pour aider les personnes âgées ou celles qui ont besoin d'aide. Tout le monde est coopératif. Ce n'est pas seulement pour notre bien, mais aussi pour le bien de tout le pays. Les autorités locales ont relevé le niveau de risque dans trois zones de la ville. Elles ont également désigné des hôpitaux pour s'assurer que les traitements médicaux sont disponibles pour les personnes qui en ont besoin. Les patients peuvent contacter les travailleurs communautaires lorsqu'ils ont besoin d'un traitement hospitalier. Les travailleurs communautaires nous contacteront. Nous avons préparé des salles spéciales pour eux. Une troisième série de tests de masse commencera samedi à Zhengzhou alors que les services de bus longue distance ont été suspendus dans la ville pour arrêter la propagation du virus. Toute personne à destination ou en provenance de la ville de Zhengzhou doit présenter un résultat négatif au test d'acide nucléique datant de moins de 48 heures ainsi qu'un code sanitaire vert. Zhengzhou avait connu deux épidémies de COVID-19 en 2021, mais cette fois-ci, le processus de test a été beaucoup plus rapide. Les résidents et les fonctionnaires ici semblent plus confiants et préparés pour lutter contre la pandémie.